Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Une fois de plus, je vous remercie pour votre présence à ce live. Il est question de vous parler d'une nouvelle activité proposée au sein de Vicitra. Vous saviez que nous avions notre centre en Guadeloupe. Vous saviez aussi que nous avions notre centre à Bruxelles. Et au tout début de la présence du Covid, au tout début du confinement, nous avons développé un enseignement en ligne qui nous a fortement surpris en raison des résultats que nous avons pu observer ou entendus de la part de vous, des participants, au travers de différents échanges, au travers de différents témoignages. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler donc des cours en ligne. Et fort de cette première année d'expérience, nous revenons vers vous donc avec une offre pas forcément similaire à celle de l'an dernier, dans le sens où nous avons tout fait pour simplifier l'accès aux cours en ligne, et nous avons tout fait pour augmenter le nombre de cours en ligne de manière à ce qu'il y en ait quotidiennement. Donc tout ce qui est pratique, tout ce qui est technique, je vais les développer dans quelques instants, mais je vais d'abord vous expliquer un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais vous faire comprendre qu'à mon sens, la façon dont nous proposons les cours en ligne, il faut bien comprendre que au tout début du confinement, c'était une forme de substitution aux cours en présentiel, mais au regard des témoignages reçus de la plupart d'entre vous, clairement, le cours en ligne n'est pas une activité de substitution aux cours en présentiel. Le cours en ligne est un nouveau format avec ses avantages. Et à mon sens, il y a des avantages aux cours en ligne supérieurs aux cours en présentiel. Alors, ça peut en surprendre certains, mais je vais m'expliquer. Le cours en présentiel, il a beaucoup d'avantages. Il permet de rencontrer d'autres personnes, il permet le lien avec l'enseignant, il permet l'échange avec l'enseignant. Mais le cours en présentiel, il a ses limites car globalement, si nous suivons des cours en campagne, nous sommes limités à un ou deux cours par semaine. Et pourtant, nous devrions pratiquer quasiment quotidiennement, voire quotidiennement, pour réellement toucher aux avantages et aux bienfaits de la pratique du yoga. Si vous voulez goûter aux avantages, aux bienfaits de la pratique du yoga, il faut pratiquer tous les jours. Si vous voulez vous prendre en main, si vous voulez renforcer le mental, il faut une pratique régulière. Et le cours en présentiel, eh bien en général, alors sauf si vous êtes dans une grande ville et très proche d'un centre, mais en général, on est limité à un ou deux cours par semaine. J'aimerais vraiment insister sur le fait que il y a la limite en termes de fréquence imposée par le cours en présentiel, mais il y a aussi la limite du cours de groupe. C'est-à-dire que j'aime souvent dire dans mes stages, lors de mes rencontres avec les participants, j'aime souvent dire que le cours collectif n'a que 60 ans et le yoga, lui, en a 4000. C'est-à-dire que la pratique du yoga, c'est avant tout un face-à-face avec nous-mêmes. La pratique du yoga, c'est un temps d'intimité avec nous-mêmes. La pratique du yoga, ça se fait seul, sur son tapis. C'est un rituel. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes que l'on s'impose pour travailler le corps, travailler la respiration et renforcer le mental. Lorsque l'on va en cours en présentiel, je le dis, je le répète, je le dis sincèrement, c'est une simplification. C'est parce qu'on n'a pas l'autonomie, c'est parce qu'on n'a pas la maturité, c'est parce que nous n'avons pas la discipline pour pratiquer cela à la maison. Parce que franchement, aujourd'hui, il est simple d'aller voir un prof en individuel, repartir avec sa séance adaptée à ses besoins et la pratiquer seule chez soi. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas cette autonomie. C'est pour ça que nous utilisons l'égrégore que nous permet le groupe en cours collectif. Il y a une sorte de, on pourrait dire une sorte de champ social, de champ énergétique
qui capte notre présence, et puis il y a la présence du prof qui nous sert de gardien d'attention. Voilà à quoi, globalement, à quoi sert le cours collectif. Et ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai remarqué, au travers du témoignage de beaucoup de personnes, et en particulier une connaissance, un ami, qui venait régulièrement, qui s'était fortement investi dans les cours en présentiel dans notre centre en Belgique. Je pense en particulier à un ami qui s'appelle Gauthier. Lui, il venait régulièrement, mais il venait, comme je viens de vous le dire, une à deux fois par semaine. Et dès qu'il y a eu les cours en ligne qui étaient proposés quotidiennement, il a pu se permettre d'amorcer la pratique à la maison. Il a pu se permettre d'amorcer son face-à-face avec lui-même. Et il a pu comme ça goûter à la joie d'un travail constant dans sa relation à soi-même et dans sa relation au yoga sur le tapis. Et lorsque les cours en ligne se sont interrompus pendant les vacances, vacances de juillet et août, il m'a dit qu'il était très touché de se voir lancé dans une dynamique de travail sur lui-même et de discipline, et qu'il était à présent dans l'incapacité d'interrompre sa séance au quotidien. Et c'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a réveillé. Quelle que soit l'activité, quelle que soit la formation dans laquelle vous vous lancez, si vous ne vous lancez pas pleinement, si on ne se lance pas pleinement, s'il n'y a pas un travail fait quotidiennement, régulièrement, sans interruption sur une longue période, il n'y aura pas de résultat. Et elle est là, la particularité du cours en ligne, c'est que chez nous, chez Visitra, nous avons développé un emploi du temps vous donnant accès de 1 à 3 cours par jour, essentiellement en début de soirée. Il y a un cours le matin, mais essentiellement en début de soirée, du lundi au samedi. Et vous avez ce rituel, vous avez ce rendez-vous qui vous est proposé. Et notre savoir-faire chez nous, chez Visitra, au travers de ma signature pédagogique, notre savoir-faire est totalement adapté au format Internet. C'est-à-dire que nous soyons en présentiel ou en ligne, lorsque nous guidons une séance, nous utilisons essentiellement la voix. Même lorsque nous corrigeons quelqu'un, nous le corrigeons avec la voix. Il est très très rare d'utiliser des démonstrations, il est très très rare d'utiliser le toucher, ça nous arrive, mais c'est assez rare. Et donc dès qu'il y a eu l'enseignement en ligne, nous étions comme à la maison. Donc je récapitule, du fait d'avoir un emploi du temps offrant 1 à 3 cours par jour, du lundi au samedi, du fait d'avoir un style pédagogique n'utilisant que la voix, ça vous permet d'être chez vous et d'avoir ce rendez-vous avec vous-même, ce face-à-face avec vous-même, aussi régulièrement que vous le voudrez. En quelque sorte, l'accès à vous-même, grâce au cours en ligne, devient sérieusement possible. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a intérêt à se prendre en main en ce moment. Il est difficile de compter sur les systèmes extérieurs. Il est difficile de prendre un autre chemin que l'autonomie. Et l'autonomie, ça passe par la santé, ça passe par la reprise en main du corps, de la respiration et de son mental. De manière à avancer avec la justesse de l'âme, avec l'intuition, avec clarté, et pas être embourbé dans les conflits, dans les conflits émotionnels et dans tout le manque du discernement imposé par les émotions. Et c'est là que le yoga devient intéressant, mais le yoga devient vraiment intéressant si on pratique régulièrement. Voilà, et je suis très fier de notre proposition, parce que là, si le yoga vous parle, si ma signature pédagogique vous parle, ça devient accessible, quoi. Ça devient possible. Vous avez cette voix qui va rentrer chez vous, vous avez ces yeux qui vont vous regarder, tout en restant chez vous. Et nous allons vous guider des séances au quotidien, à votre rythme, tout en vous regardant. Et la plateforme que nous utilisons, c'est une plateforme très particulière qui fait qu'on peut vous voir
tout en respectant votre intimité. C'est-à-dire que vous, quel que soit le nombre de participants présents en cours collectif, vous ne pourrez pas vous voir. Voilà, c'est tout ça notre particularité. Et vraiment, je voulais démarrer ce live en vous disant, ne prenez pas le cours collectif en ligne comme une forme de simplification du cours collectif en présentiel ou comme une sorte de substitution au cours de présentiel. Non, c'est juste autre chose. C'est une façon de mettre le pied à l'étrier dans votre relation à vous-même et dans votre travail sur vous-même et dans votre discipline. C'est une façon de mettre le pied à l'étrier à la maturité spirituelle. C'est un pont en vérité. Le cours en ligne tel que nous le proposons, c'est un pont vers votre discipline et vers votre reprise en main profonde et sérieuse. Grâce au cours en ligne, nous continuons de vous servir de gardien de méditation, de gardien d'attention. Nous continuons de vous imposer en quelque sorte, de par l'horaire qui est proposé, nous vous imposons en quelque sorte l'heure du rituel. Et c'est à vous de vous rendre disponible pour être présent. Et puis vous êtes seul, quoi. Ce sont des séances de 60 minutes. Vous êtes seul et vous avez juste cette voix qui vous guide et qui vous laisse suffisamment de temps de silence pour vous approprier la façon de travailler. Donc, voilà pour les cours en ligne chez Vicitra. J'ai pas du tout fini mon développement, mais voilà. Et comme vous le savez, nous proposons chez Vicitra ce que je m'amuse à appeler la gastronomie yogique. C'est-à-dire que c'est pas juste la mise en mouvement du corps pour uniquement de l'assouplissement et du renforcement musculaire. C'est vraiment pour respecter la raison d'être du yoga, c'est-à-dire notre signature pédagogique est là pour respecter une dimension millénaire du yoga, c'est-à-dire le yoga pour la reprise en main du mental. Le yoga pour retrouver de la force mentale et du lien à son intuition. Et par conséquent, nous utilisons des astuces, nous mettons en pratique le respect de conditions millénaires qui permettent réellement d'avoir accès au renforcement mental et au retour à soi. Bien sûr, vous aurez aussi accès à la musculation, à l'assouplissement, mais ce sera surtout et avant tout du retour à vous-même. Et pour cela, avec Julie Millet, nous avons filmé, et ce sont des vidéos d'initiation à la pratique du yoga. Donc chaque pratiquant venant nous rencontrer aura ses rencontres quotidiennes pour la pratique, et en parallèle, vous aurez une autre plateforme de laquelle vous pourrez régulièrement écouter nos vidéos d'initiation pour vraiment parfaire votre gestion de la respiration, pour vraiment parfaire votre ce que j'appelle le mariage mouvement-respiration, pour vous améliorer au fil du temps. Et puis troisième chose que nous offrons au travers de nos cours collectifs en ligne, il n'y a pas que les cours collectifs en ligne, il n'y a pas non plus que la vidéo d'initiation, il y a aussi une plateforme privé, rassemblant les pratiquants, une plateforme à partir de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les 24-48 heures, allez, maximum 72 heures, quoi. Et je suis vraiment, comment je peux vous dire, excité par cette offre, parce que je comprends quand on n'a pas la discipline, je comprends quand on n'a pas envie de se bouger, mais là, il y a un vrai cocon, quoi. Il y a un vrai cocon pour vous accueillir, répondre à vos questions, vous guider et vous pousser vers l'autonomie, vous pousser vers la reprise en main du mental et de votre corps. Donc, je suis assez content, je suis assez fier. Et ce qui me rend encore plus fier, c'est que toutes ces séances seront guidées par une équipe. Pour ceux qui me connaissent, j'ai constitué de nombreuses équipes, en particulier une équipe pédagogique en Guadeloupe, composée de 14 enseignants, une autre équipe pédagogique à Bruxelles, et puis une équipe pédagogique en ligne. Et donc c'est cette équipe pédagogique composée de 8 enseignantes qui interviendra quotidiennement, donc je vous dis du lundi au samedi. Et ce qui me touche chez toutes ces enseignantes, c'est que évidemment elles se sont toutes formées à mes côtés, mais aussi et surtout elles ont
compris la raison d'être du yoga. Elles ont un savoir-faire, elles ont leur propre signature pédagogique, respectueuse de ma signature pédagogique, mais toujours au service de la même chose, c'est-à-dire de vous-même, de votre renforcement mental, de votre retour à votre intuition. Et elles sont particulièrement dévouées, quoi. C'est-à-dire qu'elles veulent se donner à une cause qui nous est commune. Elles veulent clairement accompagner ma tentative, mon aventure, qui est de déployer un enseignement qui permettra à celui ou à celle qui le souhaite réellement de se prendre en main. Donc je vais me permettre de partager mon écran pour vous présenter rapidement cette équipe. Et puis si vous voulez en savoir plus sur chacune d'entre elles, vous suffira d'aller sur le site visitra.yoga et puis vous pourrez lire leur biographie. Donc je fais ce petit partage d'écran qui vous permet de voir, je pense, de chez vous, la photo de Kezia. Donc Kezia, c'est une enseignante de chez Visitra qui enseigne depuis quelques années maintenant, comme toute l'équipe, très impliquée, très dévouée, qui est basée en Guadeloupe et qui assurera son cours le lundi. Il y a aussi juste à côté Patricia Moissé, qui a été pendant quelques années la gérante de la structure du centre Visitra Guadeloupe, qui a été incroyablement structurée pour assurer ses cours, mais aussi pour assurer la gestion du centre. Et je suis ravi que Patricia soit là encore à nos côtés pour vous accompagner au travers de séances. Patricia donnera essentiellement des cours dédiés à la santé du dos. Après vous présenter l'équipe, je vous présenterai dans un instant les différentes thématiques que nous proposons. Vous avez la photo de Nicole aussi, Weissman, qui cette année n'enseignera pas à nos côtés, mais qui était là malgré tout pendant toute la première année au travers des cours en ligne. Et puis, vous avez trois nouvelles enseignantes. Alors, trois nouvelles enseignantes pour les cours en ligne, mais trois connaissances de longue date, trois amies de longue date et trois enseignantes réellement dévouées depuis longtemps. Donc, vous avez Valérie Pérève, qui est juste là sur la gauche. Valérie est incroyablement impliquée. Elle a participé à de nombreux stages. Nous étions encore cet été ensemble au travers de deux retraites proposées à Omal. Elle enseigne depuis de nombreuses années. Elle s'approprie entièrement l'esprit et mon savoir-faire. Et elle enseigne avec un dévouement démesuré. Donc je suis très très fier, très honoré d'avoir Kezia évidemment, d'avoir Patricia et très honoré d'avoir Valérie. Il y a aussi Frédéric que vous pouvez voir au centre, Frédéric Benjeloun, qui est basé en France, que je connais depuis longtemps, depuis 2005 ou 2006. Nous étions rencontrés à Marseille et puis il y a eu un lien qui a été maintenu comme ça toutes ces années. Et elle s'est formée il y a quelques années maintenant. Et elle enseigne chez Visitra, mais aussi hors de Visitra. Et elle rentre maintenant dans la danse pour assurer les cours en ligne. Le point commun qu'il y a entre Valérie et Frédéric, c'est qu'elles sont toutes les deux impliquées elles ont une connaissance particulière des plantes. Valérie est masseuse, elle s'intéresse beaucoup aux huiles essentielles, et Frédéric aussi, c'est sa passion, c'est son métier. Frédéric était avant pharmacienne, elle a eu marre de ce monde, et elle se donne pleinement maintenant à l'accompagnement individuel de nombreuses personnes dans leur reprise en main, par un peu de coaching, par le yoga, et puis par l'aromathérapie. Il y a aussi Géraldine, qui est une amie de longue date, qui s'est formée avec moi il y a maintenant très longtemps. Géraldine intervient régulièrement dans nos retraites en tant que masseuse. Elle est basée dans les Cévennes. Géraldine et moi, on a un lien très particulier. Et là aussi, comme pour le reste de l'équipe, je suis vraiment touché et honoré d'avoir la présence de Géraldine Rangeval à nos côtés. Elle a une sensibilité toute particulière pour enseigner le yoga tel que j'aime l'enseigner et le recevoir.
Vous avez aussi Julie Leclerc, qui est basée en Belgique, qui est une mère de famille et qui, à ses heures perdues, accompagne son papa dans sa pharmacie. Et Julie a vécu un vrai virage de vie dans le domaine de prise de compte, dans le domaine des prises de conscience avec nos enseignements. Et elle est là depuis le début des cours en ligne. Et elle redonne son énergie et son temps aux cours en ligne pour toute cette année à venir. Il y a aussi Laurence Gabert, toute nouvelle chez Visitra. Laurence Gabert, elle est kinésithérapeute en Belgique. Elle a assuré des cours en présentiel en Belgique. Et elle assurera les remplacements pour les cours en ligne lorsque quelques profs seront absents. Ce sera elle la remplaçante. Et puis vous avez Laure, que je connais aussi depuis très très longtemps. Laure, elle est venue à plein de stages dans le sud de la France, en Normandie, en Picardie, etc. Et elle enseigne aussi dans notre centre à Bruxelles, en présentiel, et est très très impliquée dans l'écologie pour l'Europe. Et à ses heures perdues, elle s'intéresse énormément au coaching, à la PNL et bien entendu au yoga, avec un respect tout particulier pour la méthode Visitra. Voilà pour l'équipe. Donc je suis très très honoré, vraiment, parce que vraiment, elles le font quasiment bénévolement. Je souris parce que c'est touchant, quoi, qu'elles aient cette implication, ce dévouement, quasiment bénévolement. Et elles seront présentes. Je ne sais pas comment vous dire, quoi. Vous avez une rencontre proposée du lundi au samedi avec un yoga très traditionnel, très respectueux de votre santé, très respectueux de votre renforcement mental, assuré, guidé par ces 8 enseignantes totalement dévouées, impliquées et qui ne veulent qu'une seule chose pour vous, votre renforcement mental. Vous n'avez plus d'excuses. Comprenez? Si le sujet yoga vous intéresse, il n'y a plus d'excuses. C'est vraiment un pied à l'étrier, quoi, pour monter à cheval. Je vais continuer mes explications. Pour rendre le yoga aussi accessible que possible, depuis 2004, donc nous sommes en 2021, depuis une petite vingtaine d'années, je me suis approprié la logique millénaire du yoga. C'est-à-dire que moi, quand on me demande quel yoga j'enseigne, je dis toujours le yoga, quoi. J'ai pas... Je ne comprends pas, moi, le yoga moderne. Je ne comprends pas la façon dont le yoga a été divisé par nom, par catégorie, etc. Pour moi, il y a toujours eu un yoga. Pardon, un seul yoga. Excusez-moi, un seul yoga. Et différentes façons d'accueillir l'individu en fonction de son âge, en fonction de ses besoins. Et moi, depuis 2004-2005, j'ai toujours appelé mon yoga le yoga, mais je l'ai toujours décliné par une logique pédagogique, de manière à respecter les besoins de tout le monde. Par conséquent, lorsque vous venez suivre les cours collectifs en ligne, vous avez 3 thématiques. Donc c'est le yoga, avec toujours le même objectif, hein, renforcement musculaire, assouplissement, prise en main de sa respiration, musculation mentale, renforcement mental, gestion des conflits émotionnels. Quel que soit le cours auquel vous irez participer, il y aura toujours ça. Sauf que nous avons des séances adaptées à vos besoins. Nous avons un yoga que j'ai appelé yoga intégral, qui vous permet un entretien global du corps, de la respiration et du mental. C'est ni trop doux, ni trop intense. C'est le cours qui plaît le plus. Il y a une autre thématique. Si vous avez un dos un peu fragile, quelles que soient les raisons, il y a une séance qui s'appelle Yoga Dos, avec des efforts proches du sol, particulièrement accessibles, pour vous redonner un peu d'autonomie, pour vous redonner un peu de liberté et un peu de renforcement musculaire, tout en assurant la gestion de votre respiration et tout en assurant l'enforcement mental. Et puis il y a une troisième thématique que j'ai appelée yoga et sérénité, où là encore vous avez, comme pour la première séance et comme pour la
Deuxième séance, vous avez des efforts physiques, des efforts respiratoires, mais dans le cas de sérénité, ce sont des efforts physiques et respiratoires avec comme pour seul objectif le lâcher prise, la détente et le centrage, et le dénouement des nœuds, des tensions physiques. Toutes ces séances, à chaque fois, durent une heure, et la beauté de la plateforme sur laquelle nous travaillons là depuis 2 semaines, c'est que à partir du moment où vous vous engagez avec nous, vous n'avez pas à vous inscrire. C'est-à-dire que vous vous inscrivez une seule fois, c'est un abonnement en vérité, et une heure avant chaque séance, vous recevez automatiquement le lien et le code d'accès au cours. Vous n'avez plus besoin de vous dire à quel cours vais-je aller cette semaine, est-ce que je dois aller sur le site pour m'inscrire, sur quel cours je dois cliquer, ça n'arrivera plus du tout. Ça me tenait à cœur. Ce qui me tenait à cœur, c'est qu'il y ait des cours tous les jours et qu'il n'y ait plus d'inscription nécessaire. Vous recevrez automatiquement le code et le lien d'accès au cours une heure avant. Un quart d'heure avant le cours, vous pourrez cliquer sur le lien, vous pourrez mettre votre prénom et votre nom et mettre le code d'accès. Vous rentrerez sur une plateforme. Si vous avez une webcam, ce sera parfait. Il vous suffira de l'orienter vers votre tapis pour qu'on puisse vous voir pendant la séance. Et puis c'est tout. L'enseignante se présentera et puis la séance sera guidée à la voix pendant toute l'heure. Et vous n'aurez qu'à vous laisser guider. Et si quelquefois c'est pas clair ou si vous êtes un peu perdu, chaque posture sera présente sur votre écran au fur et à mesure de l'évolution de la séance. En général, 9 personnes sur 10 gardent les yeux fermés et se laissent guider par la voix. Mais si vous arrivez un peu en retard ou s'il y a quelque chose qui fait que vous ne comprenez pas, vous aurez toujours ce support visuel, c'est-à-dire que la posture, l'enchaînement sera à l'écran tout le temps. Et puis, à la fin de la séance, donc il y a beaucoup de temps de silence pour vous laisser pratiquer seul avec vous-même, pour créer le mariage mouvement-respiration. Et à chaque fin de séance, l'enseignante s'efface, se retire, et libre à vous de rester avec l'état de centrage provoqué par la séance, et libre à vous d'ajouter d'autres efforts physiques et de rajouter du temps à votre séance. Vous pouvez vous arrêter au bout d'une heure, mais libre à vous de couper l'ordinateur et de rester avec vous-même et de continuer au travers d'exercices que vous connaissez déjà. Voilà. Je ne sais pas à quel point cette solution technique va vous parler. Je ne sais pas à quel point vous allez être attiré par cette proposition. Mais personnellement, je suis vraiment fier de la plateforme que nous vous offrons. 9 cours par semaine, 8 enseignantes qualifiées et dévouées, plus besoin de vous inscrire, un lien qui vous tombe dessus à chaque fois une heure avant chaque cours, avec des thématiques en fonction de vos besoins, un yoga de renforcement musculaire, d'assouplissement et de renforcement mental, un yoga plutôt doux, plutôt thérapeutique pour votre dos, ou une séance plutôt dite de sérénité pour assurer un vrai lâcher prise, un vrai calme et un vrai centrage. Il n'y a plus qu'à. Vous comprenez ? Il n'y a plus qu'à. Alors quand j'y réfléchis au prix, je suis vraiment en train de vous vendre, vous comprenez ? Je suis vraiment en train de vous vendre cette chose. Je vois bien dans ma façon, je vois bien que là, je suis en train de lancer un produit, clairement. Je suis en train de lancer une offre, mais c'est ce que je fais depuis 24 ans. C'est-à-dire que ma pensée depuis 24 ans, c'est qu'est-ce que je peux faire pour déployer ce message ? Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser cette expérience ? Et là, il y a quelque chose de fabuleux, quoi. Mais vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse à l'autonomie. Je dis ça pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que à chaque fois que je suis en stage en présentiel, beaucoup me disent « Ah, moi, je ne suis pas trop cours en ligne, je ne suis pas trop Internet. » Mais sortez de ce carcan mental, quoi. L'objectif, c'est de pratiquer à la maison. L'objectif, c'est de pratiquer régulièrement. L'objectif, c'est de vous muscler mentalement. Et une pratique par semaine ne suffit pas, quoi. Mais vraiment pas. La pratique une fois par semaine, c'est bien, hein. C'est vraiment bien. Mais si vous voulez vraiment passer à autre chose, si vous voulez vraiment sortir du merdier intérieur, on s'entend, il faut y aller, quoi.
Et nous, on offre cette opportunité-là. Nous offrons cette opportunité-là. Alors maintenant, on va parler du prix, comprenez. Et au tout début, lorsque j'ai réfléchi au prix, lorsque j'ai réfléchi à la valeur, il me semblait évident que je ne voulais plus vous proposer des cours à l'unité ou des cours à la semaine ou des cours au mois. Moi, je voudrais que vous soyez des pratiquants impliqués, sérieux et matures. Donc, les pratiquants sérieux, impliqués et matures ne prennent pas des séances à la semaine, ne prennent pas des séances à l'unité et ne prennent pas des séances pour un mois. Donc, j'ai évacué tout ça. Donc, nous avons réfléchi avec Julie à une offre toute simple. C'est un abonnement mensuel. Et quand j'ai réfléchi à la valeur, je me suis dit, bon, le prix approprié, ce serait de demander entre 70 et 90 euros. Donc, je me suis mis sur la somme la plus basse, sur 70 euros. Puis, je me suis dit, je suis certain que pour certaines personnes, 70 euros, ce sera encore un frein mental. Donc, moi, je me suis dit, je vais vous prendre au mot. Vous êtes intéressé par le yoga. Vous êtes intéressé par notre signature pédagogique. Vous voulez goûter sérieusement à une musculation. Alors, la formule est simple. C'est un abonnement duquel vous pourrez vous désabonner à tout moment. Hein. Pas de souci. Un abonnement mensuel. Et pour une première période, c'est-à-dire, je me suis calé l'idée suivante, je me suis dit que pour les 100 premiers inscrits, ce sera 35 euros. C'est l'équivalent d'un euro le cours. Vous comprenez? Si vous faites les 9 cours par semaine, c'est l'équivalent d'un euro le cours. Donc, c'est un test en vérité. C'est un test sociologique. C'est un test que je vous lance. Je voudrais voir, en fait, si avec cette offre, avec cette équipe, avec cet emploi du temps et avec ce tarif, j'aimerais savoir ce que vous allez faire. Voilà. Donc, pour les 100 premiers inscrits, le tarif est de 35 euros le mois. Voilà. Et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Voilà. Voilà, tout ce que je voulais vous dire quoi, sur les enseignements en ligne proposés chez Vicitra. Pour vous y inscrire, le lien est simple. Il vous suffit d'aller sur le site de notre école. C'est Vicitra. vicitra.yoga. Je suis sûr que pendant le live, Julie est en train de vous mettre le lien. Et évidemment, le lien se trouve sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Et une fois sur le site, il vous suffira de cliquer sur le bouton qui est à gauche, qui s'appelle cours en ligne, et vous aurez toutes les explications, tous les détails, toute la description de l'ensemble de notre proposition. Vous aurez le détail de l'équipe, de qui elles sont, de ce qu'elles ont fait dans leur vie, etc. Et puis, vous pourrez cliquer dessus, puis vous engager, quoi. Voilà. Nous allons commencer dès demain. Nous sommes le dimanche 19 septembre. Nous allons commencer dès demain, lundi 20 septembre. Et puis, ben, c'est parti, quoi. Dès demain, du lundi au samedi, le seul jour où il n'y aura pas de cours, je le regrette un peu, mais c'est le seul jour où il n'y a pas de cours, ce sera le dimanche. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, ben, dès que nous aurons atteint les 100 inscrits, si nous les atteignons, hein, si nous les atteignons pas, ben, ce sera toujours à 35 euros. Mais dès que nous aurons atteint les 35 inscrits, nous repasserons à un prix qui me semble plus respectueux pour Vicitra, c'est-à-dire, c'est pas 70, en fait je suis en train de vous dire des bêtises, c'est pas 35 euros, c'est 36 euros, excusez-moi, tous les mois, et c'est 74 euros tous les mois quand c'est le prix normal. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous raconter. En résumé, puis je m'arrêterai là-dessus. En résumé, dites-vous bien que le cours en présentiel, il a beaucoup d'avantages. Je ne suis pas du tout en train de cracher là-dessus, c'est juste fabuleux le cours en présentiel.
Mais le cours en présentiel a ses limites. C'est-à-dire qu'il ne permet pas forcément un travail régulier. Et il ne permet pas forcément le face-à-face avec soi-même. Donc on va mettre de côté tous les avantages du cours en présentiel, mais on va surtout mettre en avant tous les inconvénients du cours en présentiel. Vraiment, on se limite à un cours ou deux par semaine maximum. Avec le cours en ligne tel que nous le proposons, ça va se passer tous les jours si vous le voulez. Et dites-vous juste une chose, c'est qu'il n'y aura pas de résultat, si, quelle que soit la discipline, si vous ne travaillez pas tous les jours. Voilà, trois thématiques, yoga intégral, yoga dos, yoga sérénité, 8 enseignants qualifiés et dévoués, plus d'inscriptions nécessaires, juste une seule inscription, s'engager avec l'abonnement, c'est tout. Un prix, je pense que je vais me faire disputer par la communauté yoga, je pense, tellement le prix est bas, quoi. Donc 36 € par mois. Et je vous donne rendez-vous pour ça, quoi. Et je vous donne rendez-vous dans 2-3 mois pour faire le point sur votre évolution personnelle. Et je vous donne rendez-vous sur la plateforme, surtout, qui sera privée, uniquement pour ceux qui pratiquent avec nous, de laquelle vous pourrez faire part de vos retours, de vos témoignages, mais aussi me poser toutes vos questions. Et j'aurai une joie, comme d'habitude, de vous répondre. Voilà, je reste en ligne un petit instant. Si vous avez des questions, des remarques, je suis prêt à les lire et à vous répondre. Alors, il y a une question de Claude. Il dit si j'ai ma femme veut suivre les cours, je paye le double. Alors, j'apprécie ta question, Claude. Évidemment, de là où je suis, je ne peux pas contrôler ça, évidemment. Pour répondre à ta question, Claude, regarde le cours en présentiel, regarde un stage, regarde une conférence, regarde un concert, regarde un spectacle. Quel que soit le lieu, tu ne viens pas en disant « Moi, j'ai mon billet, ma femme est là, est-ce qu'elle peut rentrer ?» La réponse sera non. Il faut un billet dans ta main, puis un billet dans la main de ton épouse. Et je ne sais pas pourquoi cette politesse, ce respect-là, se perd au travers des cours en ligne. Donc évidemment, ce serait naturel, poli et respectueux, si ta femme s'impliquait autant que toi, si ta femme devait pratiquer 3-4 fois par semaine, ce serait sympa, évidemment, si elle prenait son abonnement. Mais évidemment, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas l'empêcher, quoi. Si elle se fait autrement, je ne peux pas l'empêcher. Après, si ton épouse a juste le plaisir de te retrouver dans ton moment d'intimité de temps en temps, évidemment, ne lui demande pas d'abonnement, ni à moi, ni à elle, quoi. Laisse-la te rejoindre et je serai ravi de vous savoir ensemble, tu comprends. Mais autrement, non, quoi. Autrement, gardez votre place. Gardez votre place et respectez votre pratique. Et pour cela, respectez votre enseignant, je dirais ça. Ensuite, il y a une question de quelqu'un, il n'y a pas le prénom, ferme du baron perché. Si on souscrit à l'abonnement, sera-t-il possible de l'annuler à l'issue de la semaine d'essai? Oui. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, vous avez une semaine d'essai gratuit. C'est un argument important. C'est-à-dire que vous vous abonnez, mais vous avez une semaine d'essai gratuit. C'est-à-dire que vous essayez, et pendant la semaine, vous pouvez annuler votre abonnement. Et puis une fois que vous êtes parti dans l'abonnement, pour quelle que soit la raison, si vous voulez partir, si vous voulez arrêter à un moment donné, vous avez votre propre compte sur notre site internet, vous irez sur votre compte, et puis vous annulerez tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a une question de Fautini qui dit « Quand on essaie de s'inscrire, il y a un message d'erreur. Votre session expirée. » Bon, on a fait beaucoup d'essais avant ce live, donc je suis surpris de ce que tu me dis. Mais nous irons, nous pencherons dessus dans un instant. Et s'il y a un problème, nous réparerons l'obstacle. T'inquiète pas. Eric qui dit « Y aura-t-il du replay ?» Alors, il dit « En dehors du samedi, je ne peux suivre aucun cours avec mon emploi du temps. » Eric, il n'y aura pas de replay, il n'y aura jamais de replay. Ce sont des cours en ligne proposés en direct.
Donc la particularité du cours en ligne proposé en direct, c'est que les participants ont leur propre caméra, leur propre webcam, ils sont vus par l'enseignant et ainsi l'enseignant peut adapter son discours, adapter son rythme et repérer les différentes personnes qui nécessiteraient une éventuelle correction. Donc c'est à chaque fois une œuvre éphémère. Ce serait par conséquent inapproprié et même irrespectueux d'enregistrer ça. D'accord? Si la solution c'était de faire du replay, je ne m'amuserais pas à me casser la tête depuis 15 jours, du matin au soir, avec le webmaster. C'est-à-dire que nous avons réfléchi à des solutions pour que ce ne soit pas en replay justement, pour que ce soit un partage vivant, avec des enseignants vivants et en direct. Donc non, il n'y aura pas de replay. Et il n'y aura pas de replay, vous êtes invité aussi à respecter le fait que ce soit éphémère, c'est-à-dire de ne pas enregistrer. Voilà. Bon, là, je compte sur votre... Sur vous, quoi, pour ça. Je continue à regarder vos questions. Alors, Amélie Hérault qui pose la question à Julie Millet et à moi-même si nous arrêtons de donner des cours en ligne. Alors, oui, pour une période, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de choses que je dois développer. Les enseignantes qui vont assurer les cours sont vraiment à la hauteur de mon exigence. Donc je ne me sens pas, Julie non plus, nous ne nous sentons pas dans l'obligation d'assurer les cours. Nous interviendrons de temps en temps si des remplacements sont nécessaires, mais ça ne sera pas plus. Moi, je ne sais pas si vous comprenez, mais j'ai beaucoup, beaucoup à faire dans le domaine du yoga, hors des cours collectifs. J'ai le déploiement de 52 jours d'enseignement à assurer, à structurer, à mettre en ligne, à partager. Je veux vraiment assurer une transmission sérieuse et aller au bout de ma transmission. Et les cours collectifs viennent interrompre mon rythme. J'ai derrière moi 24 années de cours collectifs à plein temps. J'ai eu des périodes jusqu'à 25 cours collectifs par semaine. J'ai derrière moi la création de centres tenus à bout de bras par la gestion de cours collectifs en Guadeloupe et à Bruxelles. Donc je vais m'offrir ma première pause, mais pour me consacrer à autre chose et puis pour vous donner autre chose surtout, pour vous donner davantage. Voilà, et puis pour Julie, c'est pareil, Amélie. Julie a beaucoup donné ces dernières années pour les cours collectifs. Et puis là, pour cette année, nous avons réussi à tout automatiser. Mais il faut savoir que Julie, toute sa dernière année, avant chaque cours, elle était sur le pont, elle devait créer les liens, elle devait assurer créer la liste des inscrits, envoyer aux inscrits, appeler certains, recevoir les appels téléphoniques. Enfin, c'était vraiment... un rythme de fou, tout ça gratuitement de sa part. Et là, elle va s'offrir une pause dans ce domaine. Nous sommes ravis d'avoir tout automatisé. Et elle va se consacrer à autre chose, elle aussi. Mais vous la verrez de temps en temps, au travers de live, au travers de stages, au travers de quelques cours de temps en temps, mais vraiment ponctuels, cours collectifs, mais ce sera vraiment au travers de remplacements. Pour le moment, hein, pour le futur, je ne sais pas. Ok. Alors une question qui est à quelle heure sont les cours? Alors vous avez des cours le jeudi matin, vous avez un cours, je parle en heure de Europe de l'Ouest. Le jeudi matin, vous avez un cours à 9h30 et tous les autres cours sont soit à 18h, soit à 19h ou soit à 20h. Et le samedi, le cours est à 16h. Eric qui dit pourquoi ne pas faire des séances le soir? Ben c'est précisément ça, des séances ce soir, 18h, 19h, 20h, heure de Paris. Alors Myriam qui dit ce sont des horaires de Guadeloupe de Bruxelles, ce sont des horaires de Paris, oui, de l'Europe de l'Ouest. Donc pour les Guadeloupéens, ça vous fait des cours en début d'après-midi, entre midi et 15h. Ou le samedi matin à 10h. Et j'adorerais pour nos amis guadeloupéens proposer les cours le soir. Nous y travaillons. Nous avons déjà fait beaucoup, beaucoup d'offres dans ce sens.
Mais vous n'êtes pas au rendez-vous, vraiment. Vous, Guadeloupéens, vous n'êtes pas au rendez-vous par rapport aux Français métropole ou aux Belges qui sont beaucoup plus au rendez-vous. Les Guadeloupéens, alors je ne sais pas si notre réseau est trop petit ou quoi, mais on ne peut pas bloquer notre temps comme ça pour une ou deux personnes, quoi. Mais si le réseau devait augmenter, nous serions ravis d'augmenter le nombre de cours pour vous le soir. Voilà, je continue de regarder s'il n'y a pas des questions. Voilà, je vois que Julie vous a mis le lien vers les cours en ligne. Elle vous a mis l'adresse, si vous voulez nous écrire aussi, l'adresse email, si vous avez des questions, contact@vistra.yoga. Une question, avez-vous 2 minutes pour nous parler de la situation de Covid en Guadeloupe? Je ne vis pas en Guadeloupe, je vis. Julie et moi, nous vivons à Bruxelles depuis 3 ans. Nous allons régulièrement en Guadeloupe, quasiment tous les 3-4 mois, mais je ne peux pas. Et puis, ce n'est pas le sujet, quoi. Ce n'est pas le format, ce n'est pas le contrat pour le moment. Alors, Myriam qui dit à côté de l'oreille, il y a écrit CEST. Elle demande ce que ça veut dire. Ben, ce sont 4 lettres pour dire que l'horaire correspond aux horaires de l'Europe de l'Ouest. Voilà, Julie l'a dit, Central Europe Summer Time. C'est l'heure d'été de l'Europe, simplement. Voilà, je regarde si j'ai pas loupé certaines de vos questions. Voilà, je ne crois pas. Si j'ai oublié, je m'en excuse et vous pouvez déjà la reposer en bas si jamais j'ai sauté, oublié une de vos questions. Oui, pour le tarif, je m'excuse. Hein, depuis le début, je vous dis 35, ce n'est pas 35, c'est 37 euros par mois qui se transformeront dès que nous aurons atteint les 100 inscrits en 74 euros. 74 pour nos amis belges. À une question de Arvo qui dit les cours en distanciel présentent certains avantages, mais rien ne remplace la présence effective et réelle d'un professeur, n'est-ce pas vrai? Alors, j'aime beaucoup cette remarque, j'aime beaucoup cette question. Tout dépend de la pédagogie de l'enseignant et tout dépend de l'enseignant. Et quelle que soit la pédagogie de l'enseignant et quel que soit l'enseignant, de toute façon, je le dis, je le répète, le cours collectif, et ça je le dis depuis de nombreuses années, je l'ai toujours dit, le cours collectif est une simplification de la pratique du yoga. Le cours collectif, comme je le disais en début de live, le cours collectif n'a pas plus de 60 ans. Et le yoga en a 4000. Le yoga a toujours été une pratique intime, individuelle. C'est un face-à-face avec nous-mêmes. Et ce face-à-face est en quelque sorte freiné par le cours en présentiel. Et le cours en présentiel, je le dis, je répète, sauf si on est dans une grande ville à côté d'un centre qui offre plusieurs cours dans la journée, mais mis à part ce luxe-là, le cours en présentiel est assuré une à deux fois par semaine, pas plus. Et si vous voulez vraiment provoquer une amélioration dans votre relation à vous-même par le yoga, que ce soit sur le plan corporel, respiratoire, mental et spirituel, il y a intérêt à vous y mettre. Pour vous y mettre, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut se bouger, quoi. Et ça, c'est pas évident pour beaucoup d'entre nous. Et c'est là que le cours en ligne est très intéressant. Voilà. Alors évidemment, le cours en ligne n'est pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas envie de vous prendre en main, mais vraiment, je suis sérieux, si vous n'avez pas envie de vous prendre en main, si vous n'avez pas encore compris la nécessité de vous prendre en main, si quelqu'un n'a pas encore compris l'importance de trouver son autonomie au plus vite, si la personne n'a pas encore compris qu'il faut compter avant tout sur soi-même, qu'il faut avoir la possibilité de compter sur son corps, sur son énergie, sur son mental et sur son intuition, et que le yoga permet ça, si on n'a pas compris ça, évidemment, vaut mieux aller en cours en présentiel et donner la main au prof. Voilà. Et c'est certain que si l'enseignant est bien formé spirituellement et bien formé pédagogiquement,
il est évident que c'est intéressant d'avoir le regard de l'enseignant et d'avoir les conseils de l'enseignant. Mais si l'enseignant répète, tel un perroquet, la même chose à chaque cours depuis X années, sans insister sur le centrage, bah, à part le petit tour en voiture et la balade que ça provoque, autant rester chez soi, vraiment. Vraiment. Voilà. Donc, tout dépend de qui est l'enseignant. Et si l'enseignant est si performant que ça, pourquoi pas l'avoir en individuel, l'inviter à faire naître une séance adaptée à nos besoins et pratiquer de toute façon seul à la maison. Voilà. La façon dont le yoga est pratiqué aujourd'hui, c'est une façon de toute façon immature. On le voit bien, ça ne bouge pas vraiment. Il y a un côté un peu esclave apaisé par le yoga. Mais il n'y a pas le côté esclave qui se libère par le yoga. Et moi, je pense que la pratique à la maison, seule, permettra cela, si vous le voulez, quoi. Et c'est en ça où je suis fier de notre proposition, je suis fier de l'équipe qu'il y a en ce moment au cœur de Visitra en ligne, et je suis fier de la proposition tarifaire. Voilà. Si ça vous parle, c'est là, quoi. C'est là. Vous avez là à portée de main une digestion que j'assure depuis 24 ans avec comme source le meilleur. Vous comprenez? Voilà. Quelque chose de sûr, de sérieux, de très traditionnel et qui est vraiment là pour faire bouger les lignes sur le plan mental. Voilà par rapport à ta remarque. Voilà, mais écoutez, je crois que c'est tout. Je retourne un petit peu en bas voir s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y a Myriam Mondésir qui est en Guadeloupe et qui dit que les horaires tombent sur les temps de travail. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est entre midi et 15 heures, en effet. Alors, pour cela, nous avons malgré tout une équipe de 14 enseignants en Guadeloupe. Donc, Myriam, envoie-nous un email, demande-nous la liste de cette équipe et nous serons ravis de la partager avec toi. Et tu verras, il y a des cours au quotidien, tous les soirs. En groupe ou en individuel pour assurer une pratique avec toi-même. Et tu peux de toute façon nous retrouver. Tu peux de toute façon nous retrouver le samedi. Hein. Le samedi, il y a un cours à 10h pour toi. Voilà. Et je vais finir par quelque chose. Ah, il y a quelque chose. Je finis par quelque chose d'autre aussi. Cette somme ridicule hein, de 37 euros par mois. Écoutez, même si vous ne pratiquez pas tous les jours, même si votre emploi du temps ne vous permet pas de pratiquer tous les jours, c'est pas grave, quoi. Vous faites au moins 2-3 séances par semaine ou une séance par semaine. C'est juste que moi, je suis fier de notre produit parce que là, on ouvre la porte et on vous permet une pratique au quotidien. Mais si vous ne pouvez pas et si vous ne voulez pas, vous avez de toute façon la possibilité de pratiquer une fois ou deux par semaine. Et même si c'est qu'une fois par semaine, ça vous fait 6 euros le cours. Vous voyez, 6 ou 7 euros le cours. Et c'est une façon de nous soutenir aussi. Vous voyez, ça peut être aussi. Vous pourriez aussi ne même pas pratiquer le cours et juste vouloir nous soutenir. Ouais, soutenir cette générosité de notre part et la beauté de notre geste. Voilà. Il y a. Fautini qui dit l'accès à l'évolution de conscience sera activé ultérieurement. Alors en effet, quand vous vous inscrivez à l'abonnement, vous avez la possibilité d'inclure l'accès à 19 vidéos dans lesquelles je présente tous les signes qui mettent en lumière votre évolution personnelle au travers du yoga. C'est-à-dire que c'est sympa d'avoir votre pratique régulière et d'avoir ces 16 signes, 19 vidéos, mais 16 signes, 16 repères pour voir si vous évoluez en conscience ou pas, pour voir si vous évoluez en yoga ou pas. Parce que l'évolution yogique ne se voit pas au travers de votre souplesse et de votre force. Ça se voit autrement et ailleurs. Et donc, il y a cet accès-là que vous pouvez activer. C'est un coût, vous verrez le prix. C'est un petit prix que vous pourrez activer. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi vous approprier un autre contenu pédagogique de 7h30 pour bien revoir les bases
de tous les outils yoga, posture, respiration, éveil sensoriel, méditation et contentement. Je refais le point sur tous ces outils-là au travers de 7h20 d'enseignement. Et vous pouvez aussi avoir accès à ça si vous le voulez. Vous verrez dans votre parcours d'achat, cela vous sera proposé et vous pouvez toujours inclure ça à votre panier. Voilà, je crois que c'est fini. Voilà, il y a quelqu'un qui dit les horaires ne sont pas compatibles avec mon emploi du temps, sauf le samedi. Mais justement, comme tu le dis, je tiens à vous soutenir pour votre magnifique engagement. Ben, merci, c'est Muriel. Merci Muriel, ça me touche. Voilà, je vous salue. Je vous remercie pour votre écoute. Ben, finalement, c'était un live d'une heure. J'ai encore beaucoup parlé. Je vous donne rendez-vous donc dès demain pour le début des cours en ligne. Et puis je vous donne rendez-vous aussi cette semaine. Je vais très certainement assurer un live pendant la semaine, un soir. Je n'ai pas encore fixé le jour, mais j'aimerais mettre en avant une formation qui me touche, une formation d'enseignant qui n'est pas la mienne. J'aimerais en parler et mettre à l'honneur le formateur qui enseigne. Donc je vais faire ça cette semaine, un soir. Je vous enverrai une newsletter à ce sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous parce qu'il y a des vidéos très, très régulièrement. Et puis, c'est une façon de nous soutenir aussi. Et puis, sinon, sur Telegram, il y a un groupe qui s'appelle la chaîne de Marc Bevin. Je pense que Julie va mettre l'adresse. Vous pouvez m'y retrouver. Je partage mon actualité, quelques idées, quelques vidéos. Et puis, il y a aussi le groupe Questions pour Marc. Et là, vous êtes invité à me poser des questions, non pas sur votre pratique, mais sur le yoga dans son ensemble. Retrouvez-moi là et puis ça permet d'être en lien et d'avancer ensemble. Voilà. Encore une fois, merci. Je remercie une dernière fois l'équipe qui s'engage à nos côtés. Je remercie une fois de plus Julie Millet qui a travaillé, vous ne pouvez pas imaginer comment, là, ces 10 derniers jours pour mettre en place ces activités en ligne. Je remercie notre magicien qui est notre webmaster, qui s'implique totalement. Et je vous remercie vous tous pour votre écoute, votre participation à ce live. Et je vous donne rendez-vous au cours collectif en ligne pour assurer une amélioration de votre relation à vous-même, pour assurer une prise en main qui est plus que urgente et plus que nécessaire. Je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Thank you.